Merci de votre venue, donc avec la réseau Entreprendre et Adour Compétitivité, et donc la CGPME Bayonne Pays Basque a décidé d'inaugurer une série de conférences, donc histoire de découvrir des thématiques et de faire en sorte d'abord de nous rencontrer et donc de pouvoir aborder les sujets qui sont nos préoccupations de tous les instants. Donc pour ce faire, on a demandé à Jean-Philippe, donc qui est le directeur régional du Crédit Agricole, et Philippe Mendibourg. Pierre Mendibourg, pardon. Si vous connaissez Philippe Mendibourg, c'est pour ça. Donc je vous prie de m'excuser. Qui vont nous parler sur la gestion des risques financiers en période de turbulence. Hein. Donc voilà, je leur laisse la parole, ce sera beaucoup plus simple. C'est Pierre qui commence. Ça fonctionne ? Bon, j'ai dû appuyer sur mon bouton. C'est bon là. Bon. Mais bonjour à tous. Je peux dire en masse, mais bon, on est en Anglette, je ne vais pas faire. Même si il y avait un homonyme, Victor Mendibourg, qui était maire de Anglette, mais lui, il était plutôt occitan et gascon. Celui-ci est meilleur. Il est mieux celui-là ? Ouais, celui-là. Vas-y. D'accord, parce qu'il ne faut pas que je me casse la voix non plus. Voilà. Donc. Voilà, vous avez le titre, hein. C'est un peu peut-être impertinent, mais en fait, vous allez voir, au bout de quatre lignes, vous êtes d'accord presque sur le début au moins. Donc globalement, le pire est certain, localement, inventons notre futur serein. C'est presque un merchou, mais ça arrête vite. Voilà, donc l'idée c'est d'évoquer, enfin ça va être un peu la trame, d'évoquer qu'il y a plein d'initiatives qui se font ailleurs, et je vais lire dans des textes qui sont de personnes imminentes dans le métier de la banque, de la finance, et d'expériences qui existent depuis très longtemps et qui ne sont pas obligatoirement duplicables, si on ne les veut pas, mais qui existent quand même. Voilà. Donc nous sommes largement informés, pour qui veut l'entendre, que chacun de nous mourra, le soleil s'éteindra, le pétrole disparaîtra, et les surfaces commerciales en Pays Basque, en cours de chantier, sont en surnombre. Il y a de tout, là. Et pourtant, nous continuons, parce que tout le monde continue, puisque, justement, l'autre continue. Mon propos se concentrera sur les techniques financières et sur la monnaie. Je reprendrai des écrits de deux ou trois experts hautement plus légitimes que moi sur la finance mondiale, évidemment. Toutefois, en aucun cas, je ne parle donc ici du commerçant de la finance ou de l'argent, à savoir de la banque, fût-elle d'affaires. Donc c'est à peu près, vous avez là le sommaire qui va guider un petit peu ma présentation. Vous voyez apparaître Hervé Kias, qui est banquier, il a été chez nous, Crédit Mutuel, Société Générale, et maintenant il est à Luxembourg, et Bernard Lieter de Berkeley, qui a été aussi un des constructeurs de l'écu avant que ce soit l'euro. Voilà. Donc, mais un autre intervenant, qui a écrit « La crise financière a mis en lumière les fragilités de certains modèles d'évaluation des actifs financiers, dominés par un ensemble d'hypothèses qui prennent imparfaitement en compte les dynamiques brutales associés à l'émergence de crises ou l'apparition d'événements extrêmes. De plus, la forte interdépendance entre actifs financiers, marchés, pays, via les phénomènes de contagion, est souvent exacerbée par les crises. » Qui a bien pu écrire ça? C'est révolutionnaire de la finance. C'est la Banque de France. C'est la nôtre, c'est notre banque à nous. Donc, mais il ne faut pas croire que seule la finance du marché ou de marché a été contaminée. On dit toujours, c'est les marchés. Non. Il se trouve que la finance entreprise a également recours à ces techniques en matière de gestion de trésorerie, de mesures de couverture de ces risques, de change et de taux. Alors de même, en matière de construction d'euros de bilan, ça c'est plutôt iroquois quand même, et de choix d'investissement, les entreprises utilisent couramment le modèle MEDAF. Alors, si un jour vous avez entendu parler du MEDAF, vous allez voir de vrai celui-là, si j'y arrive. Alors, je vous laisse lire, je vais le lire et en même temps je vais faire un petit commentaire, puisque comme on parle beaucoup d'investisseurs, je m'autorise à penser que je connais certains investisseurs. Donc il est écrit, il n'y a pas de coût de transaction. Bon, admettons. Un investisseur, lambda donc, peut acheter ou vendre sans que cela ait une incidence sur le prix de l'action. Je pense quand même que ça dépend de la masse en mouvement. Ça, c'est ceux qui supportent les outils techniques derrière d'extrapolation mathématique, on va dire, qui font les marchés. C'est le MEDAF, non. Il n'y a pas de taxe. Bon, j'imagine que ça risque de changer. Quatrièmement, les investisseurs n'aiment pas le risque. Voilà, ça dépend du gain quand même, parce que l'investisseur, la plupart du temps, il est quand même attiré par ça. Les investisseurs ont le même horizon temporel. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que tous, vous savez qu'il y en a qui jouent au jour le jour, il y en a qui jouent sur 10 ans, les assureurs, la plupart du temps. Donc, ils n'ont pas, à mon avis, le même horizon temporel.
Sixièmement, tous les investisseurs considèrent chaque action sous son aspect moyenne variance. J'imagine que vous savez que beaucoup attendent le jackpot, donc ce n'est pas tellement ni la moyenne ni la variance. Septièmement, les investisseurs contrôlent le risque par la diversification. Et moi, souvent, je me suis étonné, parce qu'au niveau des RICO, c'est ce qu'on fait, la diversification, la mutualisation. Et pourtant, j'ai souvent entendu parler de sociétés d'investisseurs qui avaient des hyper spécialistes. Donc, ils ne sont pas dans la diversification s'ils ont un hyper spécialiste dans un domaine. Alors là, on tombe quand même sur quelque chose qui est un peu plus dur. Huitième, tous les actifs, y compris le capital humain, peuvent être achetés et vendus librement sur le marché. Je ne crois pas que vous soyez, vous, ici, tous prêts à vendre votre entreprise ou vous-même à n'importe qui. Et dernière chose, les investisseurs peuvent prêter ou emprunter de l'argent au taux sans risque. Là, pareil, je ne crois pas que les investisseurs grecs ou espagnols aient le même avis. Sans risque, c'est au taux de base bas, j'imagine, entre 0 et 2%. C'est en vert. Voilà. Donc maintenant, c'est Monsieur Kias, donc il est banquier, ex-Crédit Mutuel, ex-Société Générale et maintenant Banque Privée Luxembourg. Il écrivait ça en août 2012, ce que je vais vous dire, hein, parce qu'il n'y a pas que ce qu'il a écrit là. Donc alors que la finance monopolise parmi les plus brillants cerveaux de la planète et dispose de puissance de calcul à faire rêver tout laboratoire de recherche, elle s'est fait régulièrement prendre à contre-pied par la volatilité des marchés. C'est probablement l'une des origines de la crise des subprimes. Le problème n'est pas forcément l'avidité qui existe depuis la nuit des temps, mais les moyens par lesquels elle va s'exprimer. Un contrôle des risques... Je vais parler plus fort alors. Un contrôle des risques illusoire lui permet de se propager. Qui n'a jamais entendu dire par un professionnel que tel événement de marché est une aberration ou un épiphénomène qui ne se reproduira pas? Je pense qu'on l'a tous entendu. L'instantanéité de l'information et la rapidité des moyens de transaction ne font que renforcer la fréquence de telles crises. Comme souvent, ce n'est pas le manque de régulation qui est un problème, mais une mauvaise régulation qui, dans ce cas précis, s'appuie sur des outils qui lui ont été suggérés d'une part par le monde universitaire et d'autre part par des acteurs du secteur financier enchantés de mettre en place des méthodes prudentielles simples, rapides à mettre en place et sans conséquences dramatiques sur le développement du business et de l'innovation financière, à savoir les produits complexes à forte marge. On m'en veut, hein ? Marche pas. Non, mais... Il faut bien l'enfoncer, il faut pas qu'il soit rouge, il ne faut pas le rappuyer. Il ne faut pas appuyer sur ce bouton. Voilà, il faut pas. D'accord, je vais prendre comme une danseuse, je ne sais pas si elles font comme ça, les dames. D'accord, donc en science, si les observations... Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est son... On va lui donner l'autre. J'appuie pas, hein. Ah oui, mais faible. Elle faiblit, la bête. Celui-ci est faible. Bon, on va te changer rapide. À qui, à moi ? Pas celui-là, en attendant. Si j'étais Bernard Tapie, ça irait mieux, oui. J'aurais la pile qu'il faut. Bon, en science, si les observations du réel vont à l'encontre de la théorie, celle-ci doit être immédiatement invalidée. En ce sens, on peut affirmer que la finance n'a pas aujourd'hui les caractéristiques d'une science, car elle n'adopte pas ce comportement. L'un des grands dangers de notre système économique réside dans le fait que les financiers sont devenus incapables d'être humbles, eu égard à la limite de leur capacité à modéliser les marchés. C'est le ciment même de la société, à savoir l'équité et la réciprocité, qui est attaqué. Un mélange de remise en cause des outils actuels et d'innovation est urgent, car il permettra d'assurer une plus grande stabilité du secteur financier et indirectement de bâtir les fondations d'un développement économique pérenne. Bon. Mais pardon, oui. Hop. Je l'ai déjà dit ça, non ? Oui, ah, voilà. Bon, là, ça va être des jolies histoires que je vous raconte. Mm-hmm. Si, quand même. Oui. Ah, c'est des belles histoires. Est-ce que vous le savez, vous, déjà ? Non. Bon. Bernard Lieter, donc ce brave homme là, il est, comme vous voyez, il est à l'université de Californie de Berkeley, donc on peut pas dire que ça c'est quand même un gauchiste, je pense pas. Ancien haut fonctionnaire de la Banque nationale de Belgique, et c'est donc là, c'était en mai 2009. Donc il indiquait, imaginez, alors ça c'est un peu moi quand même, parce qu'il savait pas tout ça. Imaginez une voiture qui n'a pas de frein, dont le volant ne fonctionne pas bien, et avec laquelle même Sébastien Loeb, 8 fois champion du monde de rallye, bon ça vous pouvez pas le savoir, en 2009, compte traverser les Alpes. J'ignore quand et à quel moment surviendra l'accident, mais je sais de façon certaine qu'il aura lieu. Et lorsque celui-ci se produit, tout le monde accuse qui ? Le conducteur. Donc, mais personne ne parle de la voiture qui, vous l'avez compris, symbolise dans cette histoire notre modèle, notre système monétaire. Celui-ci montre de graves signes de dysfonctionnement.
mais nous sommes pourtant prêts à nous ruiner pour essayer de le reconstruire à l'identique. Faisons-nous confiance à autre chose que notre chère monnaie? Voilà les histoires. Donc est-ce qu'on peut des fois imaginer qu'à part la monnaie, il y avait autre chose qui nous intéresse? Et bien pourtant, un exemple, puisque vous êtes de grands voyageurs, lorsque vous utilisez les miles qui vous sont offerts par votre compagnie aérienne, vous utilisez une monnaie complémentaire qui a pour objectif de vous orienter dans votre façon de consommer le transport aérien. Elle renforce votre fidélité au groupe de lignes d'aviation qui les émet. Cette monnaie complémentaire fonctionne en parallèle avec la monnaie classique. Elle n'est pas créée par les banques, mais comme le sont toutes les monnaies classiques, elle n'est pas affublée d'un taux d'intérêt, contrairement aux autres monnaies. C'est le miles. Donc. Elle n'est pas utilisable pour spéculer, et pourtant 14 trillions de miles existent à travers le monde, et 1,5 trillion d'unités sont créées chaque année. On voit bien qu'il ne s'agit pas d'une affaire marginale. Deuxième exemple, qui est même pour ceux qui ne voyagent pas. Du mile au VIR, W-I-R. Donc c'est long, mais c'est une très jolie histoire. Donc laissez-moi vous raconter une autre histoire, celle de 16 hommes d'affaires suisses qui se retrouvaient périodiquement dans un café à Zurich dans une période de crise semblable à la nôtre. N'oublions pas, on est en 2009. Ils se plaignaient beaucoup. Leur banque, ou celle de leurs clients, venait de leur annoncer qu'elle allait réduire leur ligne de crédit. Faute de ce soutien, certaines d'entre eux se voyaient dans l'impossibilité de payer à leurs fournisseurs ce qu'ils avaient prévu d'acquérir. Ils ont donc décidé de s'entendre de façon à pouvoir continuer à faire des transactions directement entre eux, plutôt qu'avec l'argent de leur banque. Les uns, ceux qui achètent, comptabilisent des débits envers les autres, ceux qui vendent. A l'inverse, ce dernier bénéficie de crédits envers les premiers. Ces débits et ces crédits sont exprimés dans une monnaie commune qui s'appelle le VIR. Ce système monétaire qui existe depuis 1934 est aujourd'hui utilisé par un quart des entreprises suisses. Les échanges inter-entreprises libellés en VIR représentent près de 2 milliards d'euros par an. La banque coopérative VIR, dont le siège est à Bâle, compte 75 000 PME clientes. Là encore, personne n'en parle. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que le professeur d'économie américaine James Schaudler, j'espère que vous ne faut pas se fâcher, qui a réalisé une étude sur l'impact du VIR, a démontré que la stabilité de l'économie suisse et sa grande capacité de résilience par rapport aux économies voisines s'expliquent par l'existence de cette monnaie parallèle. Celle-ci fonctionne spontanément à contre-temps par rapport aux francs suisses. À chaque fois qu'il y a une récession dans l'économie du pays, le volume des échanges en VIR augmente. Inversement, lorsqu'elle retrouve le chemin de la croissance, le volume des VIR en circulation diminue. Tout simplement parce que tout homme d'affaires avisé préférera, si on lui donne le choix, être payé en francs suisses, qui lui permet d'acheter partout dans le monde, plutôt qu'en VIR, qui ne peut échanger en fait qu'avec ses 75 000 autres membres dans les limites de son propre pays. Mais si en revanche, le crédit en monnaie nationale se resserre, le même homme d'affaires, toujours avisé, préférera passer une transaction en VIR plutôt que de ne pas vendre du tout. Donc ça, c'était pour les relations entre professionnels. Et là, maintenant, on rentre sur un sujet qui ressemble à ça, mais qui montre que même ce n'est pas obligatoirement que des transferts d'argent. Le time dollar, par exemple, s'appuie sur des échanges de services basés sur une comptabilité de débit et de crédit exprimés en heures entre individus. L'heure totalisée en 60 minutes dans la plupart des pays du monde, les risques d'inflation sont nuls. Il existe aujourd'hui 400 réseaux time dollar dans le monde. Dans le système japonais Furiyaku Kippu, mis en place par Tsutito Ota, les pauvres, la monnaie complémentaire permet de financer toute aide qui n'est pas couverte par l'assurance maladie. L'aide à domicile, l'accompagnement, le soutien moral, les achats, la préparation de nourriture. Lorsque je rends un service à une personne âgée dans mon quartier, je suis crédité du temps dépensé sur un compte épargne électronique. Je peux l'utiliser pour rémunérer quelqu'un qui viendra m'aider le jour où je serai malade, ou bien le transférer à ma mère, il n'est pas marqué le père, pour qu'elle rémunère un membre du réseau installé dans sa région en échange de son aide. Il y a 487 systèmes de ce type au Japon qui viennent en aide à des centaines de milliers de personnes. Pour finir, on peut également... Donc, comme je l'inscris ici, prendre conscience d'un risque certain aux dommages graves dans un délai indéterminé. C'est peut-être parce qu'on ne sait pas où est le mur qu'on reste encore dans le train qui va dans le mur. Mais en attendant, on est quand même dans le train et on peut faire des choses intéressantes. Donc là, maintenant, c'est passé en vert, vous avez vu, c'est du rouge au vert. Je ne sais pas pourquoi, c'est une couleur d'ailleurs.
Et donc, on va essayer, enfin, je vais essayer de vous évoquer quelques impressions, parce que là, ça vient purement personnel, qui ferait penser que le fait de faire du réseau, le fait d'être entre soi, le fait d'être en collectivité, en communauté, donc du social, du territorial, du métier, de l'humain, ça pourrait effectivement nous avancer, nous permettre d'avoir des micros, des écosystèmes sur lesquels on pourrait s'appuyer pour passer les bourrasques, puisque la bourrasque va arriver, peut-être plus. Donc le premier, le plus simple a priori, c'est les amis. Donc décider, coopérer, diversifier, renforcer. Donc ensemble, c'est choisir la hauteur et l'intensité de la protection en mettant en place les indicateurs. On parle avec son entreprise, on parle avec ses salariés, on parle avec sa famille pour savoir s'il faut plutôt foncer ou plutôt réfléchir, voilà. Et donc c'est parler ensemble. Donc évidemment, quand on a choisi la hauteur du mur, on anticipe les mesures correctives. Et faire partager si le risque attendu, en tout état de cause. Donc l'idée d'une certaine façon, c'est d'anticiper dans son environnement proche et de faire partager ses préoccupations. Pas obligatoirement de mettre le stress, mais dire simplement que si demain il nous arrive quelque chose dans notre entreprise, on doit avoir évoqué ces hypothèses avant et on doit avoir, comme il y a eu le plan grippe, je ne sais pas si vous en rappelez celui-là, mais il faut se préparer. Deuxième, c'est avec les voisins. Donc, aidons-nous les uns les autres par les réseaux, effectivement. Aidons-nous les uns les autres, je n'ai pas été le premier à nous dire. Voilà. Donc, d'une certaine façon, là, je vais vous citer certaines démarches qui existent déjà. Donc, on peut indiquer, effectivement, adhérer à des associations d'entrepreneurs en voisinage. Il y en a plein qui existent sur le Pays Basque intérieur. Vous en avez un peu moins ici, mais quand même, la CGPME, même si ce n'est pas une association, on peut indiquer, enfin si, peut-être, mais un syndicat professionnel, mais on peut indiquer qu'au moins, et on a M. Peyouguelo qui est présent et qui connaît bien au moins celle d'Amicousse Entreprendre, on peut indiquer l'intérêt de ces associations d'entrepreneurs en voisinage. Hier, j'étais à l'Audace, M. Berrouguen de l'Audace n'y était pas, et on a entendu des entrepreneurs dire qu'ils préféraient, si je le vois, oui, voilà. Cette association d'entrepreneurs, d'abord il y avait le J, c'était les industriels, après il y a eu les commerçants, après il y a eu les artisans, ils se sont tous mis ensemble, ils se sont rendus compte maintenant que la communauté de communes ayant, comme toute communauté de communes, la compétence économique, elle allait embaucher quelqu'un pour le faire, ce quelqu'un serait donc fonctionnaire, et donc ça serait le politique qui dirigerait un fonctionnaire pour parler de développement économique. Et là, on va dire qu'ils ont trouvé que ce n'était peut-être pas la meilleure façon, et surtout que ça ne permettait pas de faire parler, on va dire, les entrepreneurs. Et donc, c'était très intéressant, cette demande collective de vouloir continuer à se voir et de pouvoir travailler ensemble. Donc, d'une certaine façon, effectivement, aussi, c'est le même état d'esprit que dans le côté réseau. Les entrepreneurs, la plupart du temps, ils sont dans leur monde, ils ont des difficultés à aller vers les autres. Et tout bêtement, dans leur quartier ou leur village, et on remarque, mais bon, en dessous c'est un microclimat, mais on remarque l'interconnexion qu'il peut y avoir quand les chefs d'entreprise participent à des associations ou vont dans le monde qui ne les attend pas en tant qu'entreprise. Donc là, effectivement, c'est le plus dur, parce que tout le reste c'était quand même assez cool. Maintenant, c'est avec les concurrents, les fournisseurs et les clients. Donc on a la chance au Pays Basque, avant au sud, puis maintenant au nord, d'avoir des notions et des réalités sur les clusters. Donc, j'ai vu la dame qui s'occupait du cluster au Sasuna, et il y en a d'autres présents sûrement. Donc, l'idée d'en créer un ou d'adhérer à un, pour moi, est fondamentale. Ça a prouvé sa réussite, et pour l'instant, bon, elles sont la plupart du temps promues par les chambres consulaires, donc il est encore temps de pouvoir en créer une ou de pouvoir en adhérer à une. Maintenant, au niveau des fournisseurs d'argent. Alors ça, c'est autant Iroquois, on va dire, que le banquier, mais là, je ne vais pas parler d'Iroquois qui est unique, évidemment, je parlerai plutôt des banquiers. Donc, il faut être, enfin, comment dire, objectivement, pour moi, il faut coopérer avec votre banquier, parce qu'on dit toujours que pour le meilleur, presque toujours, il sera là. Mais de notre côté, si on coopère avec le banquier, il peut être là quand, pour vous avertir du pire. C'est-à-dire qu'ils ont quand même, et heureusement, vous allez le voir tout à l'heure, ils ont quand même capacité à avoir des signes, des indicateurs qui pour partie au moins, peuvent nous indiquer que certains chantiers vont s'arrêter, certaines perspectives qu'on avait, nous, imaginées favorables, ne le sont plus. Au niveau des fournisseurs, là aussi, même état d'esprit, jusqu'à présent, on privilégie le meilleur, le moins cher, celui qui nous apporte la plupart des services pour justement un prix, pas dérisoire, mais faible,
simplement, c'est l'OR la plupart du temps. Et donc on peut aussi essayer pour 5%, pour 10%, essayer de repérer le plus proche. Donc c'était une idée qui vient aussi, on va dire, avec tout ce qui tourne autour du développement territorial, du développement local. On en parlera peut-être de cette monnaie qui s'appelle le Schco, monnaie complémentaire. C'est le même état d'esprit. C'est dire, continuez à travailler avec votre fournisseur, mais essayez juste d'en avoir un à côté de chez vous. Il fera 5 ou 10% de votre chiffre d'affaires. Simplement, ce fournisseur qui n'était pas avant sollicité va l'être tout d'un coup. Et si vous êtes plusieurs à faire ça, ça va pouvoir créer une dynamique locale. Et vous pouvez aussi vous bénéficier d'un client qui tout d'un coup ne vous avait pas repéré. Donc d'une certaine façon, là aussi, c'est essayer de mettre en double source vos fournisseurs. Là, évidemment, quand je parle fournisseur, je suis bien obligé d'être assez objectif et honnête, et pourquoi pas aussi la banque. Et pour finir, cette longue litanie de conseils un peu redondants, c'est les humains, les autres, ailleurs. Donc j'imagine, je pense, qu'on vous dit souvent que les chefs d'entreprise, la plupart du temps, ils ne lèvent pas les yeux, ils ont le nez dans le guidon. Mais moi, je ne pense pas que vous avez le nez dans le guidon, parce que vous ne seriez pas là, probablement, là, ce soir, pour vous poser les problèmes, ou même que vous ne vous seriez pas rapproché de nous pour entendre, d'une certaine façon, ce qui se passe au niveau mondial, et peut-être d'entendre aussi que tout ce qui est globalement systémique, mondialisé, probablement chacun chez soi pour créer les conditions d'une certaine résilience, puisqu'on avait vu tout à l'heure que le vir c'était une sorte de résilience, on doit être en capacité chacun de créer autour de soi des micros, des écosystèmes qui nous permettront de tenir le choc vis-à-vis de crises qui vont arriver de toute façon demain et plus tard, écologiques ou financières d'ailleurs. Parce qu'on parle toujours que des financières, mais il y en a aussi d'autres derrière. Voilà, merci beaucoup. Merci.